en couple avec un gars qui s'appelait Bepanda. J'ai dit la folie des Camerounais. Tu me Je l'ai tapé. Oh, je l'ai poussé. Je l'ai giflé. Tant, j'ai commencé à donner des coups de poing. Deuxième partie de la vidéo. Il se passe donc qu'on rentre. On se dit, bon, on va se maquiller, on va dormir. Et on était éclatés. Oh, on a. Tu sais, on se démaquillait comme ça. On était morte. Après ça, on dort et tout. À un moment donné, bah, mon ex, Bepanda, il dit, ouais, réveillez-vous, je suis en bas, on doit aller faire les courses. Parce qu'on, du coup, on devait faire les courses pour l'anniversaire en Belgique. Ça, c'est vraiment maintenant l'anniversaire en Belgique. Du coup, on s'est réveillé et personne n'avait bien dormi. On n'était pas bien. Oh là 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 là. Hélène, elle est restée. Du coup, je suis partie avec Solange et ma cousine Ingrid. On a acheté à bouffer, on a acheté tout ce qu'il fallait pour le buffet et tout. Dès qu'on a fini, je suis allée prendre mes vêtements, mon maquillage et tout. Et en fait, on a bougé pour aller en Belgique. Après ça, on arrive en Belgique, on commence à faire la cuisine. Oh Dieu, c'était dur, c'était long. On a cuisiné toute la journée, j'étais morte. Les meufs, elles étaient trop mignonnes. Elles ont dit, non, Herlou, tu peux aller dormir, pose-toi, c'est ton jour, nanana, nanana. Donc, j'étais là, j'étais contente. Genre, j'étais vraiment contente. Je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais dormir. Quand je me réveille, je me rends compte, en fait, que les filles, elles ont tout fait. Elles ont fait des spécialités de chez moi. Elles avaient fait des beignets, du haricot, si je ne me trompe pas. Il y avait des crêpes, il y avait du poulet, il y avait v'là des trucs, il y avait du riz. Enfin, il y avait vraiment à manger, vous voyez. Fou la douce, tous les préparatifs, on s'en fout. Maintenant, on n'a qu'à lever la soirée. En soirée, donc, on commence à se préparer et tout. Moi, je voulais prendre ma douche. Il y a ma cousine qui m'a coiffée. Elle m'a scellée à... Ah, on était mots. Comme on dit chez moi, on était mots sucrés. Avant la coiffure, j'étais encore en train d'aider. Il y a, je sais pas qui vient me dire, ouais, Herlou, viens, hein, t'as des invités et tout, nanana. Du coup, je descends, je vois, c'est les potes à Bepanda. Coucou, ça va? Tu vas bien? En fait, et en plus, c'était les potes à Bepanda qui voulaient des meufs qui, en fait, qui sont venus à mon anniversaire. Ça y est, ils ont cru que c'était mythique. Ils allaient pécho de lago, en fait. Bref, non. Je suis allée, du coup, me préparer. Dans les potes de Bepanda, il y avait une gola. Elle. Lucifer en personne. C'est pas Lucifer, reste en bas. La meuf, elle est arrivée en soirée. Elle n'était pas là quand on était en train de cuisiner. Elle ne sait pas qu'on a dit que ça, ce sera pour ça. Ça, ce sera pour ça. Ça, ce sera pour ça. Non. C'est pas je vais m'apprêter. Il y a une personne qui vient me dire, les gars, enfin, est-ce que je peux leur donner quelque chose? J'ai dit que non, non, non. C'est, il faut attendre, en fait, que je finisse de me préparer. Bah, c'est logique, genre. Déjà, comment des gens, vous venez à l'anniversaire de quelqu'un et vous voulez manger sans que la personne ne soit arrivée, genre, tu vois. Donc, du coup, je finis de m'apprêter, je descends, archi fraîche, déjà, aucune acclamation, silence total. C'est, on s'en fout que tu sois belle ou quoi, enfin, on s'en rien à foutre, quoi. Ok, du coup, j'arrive, je fais, je suis là. Il n'y a personne qui me calcule, je fais, ok. Je dis aux gens, ouais, venez, on fait des photos. Du coup, on a pris 15 000 photos. Tchac, 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 tchac. Dès qu'on finit de prendre les photos, je dis aux gens, ouais, je vais ouvrir le buffet. Étant donné qu'il n'y avait pas tout le monde, on n'allait pas attendre des gens jusqu'à 4h du mat non plus. Du coup, j'ouvre le buffet. Mais pour ouvrir le buffet, je vais faire une petite prière. C'est pas je me place pour faire ma prière. Je commence à prier. Les gens commencent à dire, ouais, prie vite, on a faim. What? Prie vite, on a faim. Et c'était les amis de qui? Vu que ce n'était pas les miens. Respectez-moi en fait. J'ai envie de prier pour ouvrir le buffet de mon anniversaire. Laisse-moi prier. Du coup, j'ai bâclé la prière, mais j'étais vraiment énervée. Je suis montée. J'ai commencé à bouder. Personne n'a remarqué mon absence. Après, vous allez dire, ouais, la meuf, elle veut trop attirer l'attention et tout. Mais j'ai envie de dire que moi, mon anniversaire, c'est quelque chose d'assez important pour moi. Déjà, il y a des invités, mais mes invités à moi m'ont lâché pour la plupart. Mes invités étaient minoritaires. Les invités de Bepanda, de mon ex, étaient majoritaires. Ok, mais maintenant, vous n'êtes pas mes potes, vous êtes des potes à mon gars. Comportez-vous, non? Je sais pas, faites des efforts. On commence à dire, ouais, c'est pas normal. Déjà, les crêpes, ta pote, parce que Lucifer, je vous dis, c'est pas ma pote. Lucie, pour
être mignonne, Lucie, déjà avec son histoire de crêpe, et encore tes potes qui me coupent pendant mon bénédicité, c'est pas normal. Donc j'étais là en train de bouder, je boudais, voilà. Enfin, mes pandas qui me fait, ouais, il y a une personne qui est là, et tout, c'est une petite surprise, descend, va voir qui c'est. Du coup, je descends, je vois qui, une fille que j'adore, mais vraiment, je l'aime beaucoup, qui était là, elle est arrivée et tout pour mon anniversaire. J'étais archi contente, genre vraiment. Du coup, ça m'a un petit peu apaisée. Je suis arrivée et je me suis rendu compte que la nourriture était mince. Les gens ont mangé comme s'ils n'avaient jamais mangé dans leur vie. Donc, les gens ont saccagé le buffet. Ils ont mangé comme du n'importe quoi. Mais vraiment, il n'y avait quasiment plus rien. Du coup, elle arrive avec sa pote et le grand frère à sa pote. Je dis, bah, essaye de voir s'il y a un petit truc. Heureusement pour moi, j'avais mis de la nourriture de côté pour le lendemain matin. Et du coup, j'essaye de servir dans la réserve, en fait, en gros. Et c'était un peu chaud. Bref, du coup, j'ai servi. Après, elle et moi, on est montés. Je lui ai fait comprendre que, ouais, je suis pas contente. Déjà, la plupart des invités qui sont là, c'est pas mes potes. Je me sens étrangère à mon propre anniversaire, genre. Après, elle m'a dit, non, mais descends et tout, on va s'amuser, nanana, ok. C'est pas je descends. Je vous ai même pas dit c'était quoi le thème de mon anniversaire. Le thème de mon anniversaire, c'était class and gold, un truc comme ça, classe. C'était classe et quelque chose. Mais en fait, tout le monde était censé être habillé en bleu. Tout le monde était censé être habillé en bleu. Je vous jure, à part moi, ma cousine, Solange, et même Yélène, en fait, à part mes invités, ses potes à lui, ils sont venus comme ça là, genre comme ça. Et il me fait des surprises, il ne dit même pas aux gens de la surprise, mais pendant question, que ouais, en fait, le truc c'est en bleu, faut venir en bleu. Non, chacun est venu comme si c'était la cour du roi Péto. Ils sont venus, ils sont installés comme ça. Mais attendez, vous, attendez. Et parmi les invités de Bipanda, eux-mêmes, ils ont encore mis leurs propres invités. Eux-mêmes. Attendez, bon, un peu de parce que moi, des choses comme ça, ça m'énerve. Tu n'invites même pas les gens. On les invite, eux-mêmes pour encore les inviter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? J'étais dépassée. Comment on dit chez nous là? J'étais dépassée. Elle me dit non, mais descends et tout, on va danser, machin. Dora. D'ailleurs, ça fait Dora. Du coup, je descends, je mets la musique, je dis bon, les gens, venez, on danse et tout, nanana. Les amis de mes pandas, eux là, les gars, c'est des gars à chaque anniversaire où ils sont, à chaque événement où ils sont. C'est des mecs qui font le bordel. Genre, ils vont danser, ils vont s'amuser. C'est pas mon anniversaire, tout le monde était comme ça. Je mets la musique, tout le monde est comme ça. Même mes propres copines, qui étaient censées mettre l'ambiance, tout le monde est comme ça. Je dansais uniquement avec un ami à Bepanda, un seul, avec Dora et avec ma cousine Ingrid. On était quatre là dans une pièce de plus de 40 personnes. Les autres étaient en train de discuter. Vous venez parler aux... Je demandais, j'ai dit que j'ai fait le chill. Vous venez parler aux amis, vous venez faire vos connaissances. Je vous ai dit que je voulais que vous soyez, si vous vouliez être amis, ne venez, il fallait pas venir à mon anniversaire. Allez sur Mythic faire vos amitiés, frère. C'est quoi ça? C'est pas tout le monde qui se drague les gens. Et j'étais tellement vénère. Après, vous allez dire ouais, drama queen et tout. J'accepte. Donc du coup, j'étais vénère. J'étais vraiment dégoûtée. Je suis montée et tout. J'ai encore tiré là, mais j'ai tiré mais une tronche. Il y a un qui, enfin du coup, l'ami avec qui je dansais, il est venu, il m'a dit ouais. Erlou vient et tout, ça se voit que t'es vénère, j'ai l'impression que tout se passe pas comme tu voulais. Je fais comprendre que clairement, non, rien ne se passe comme je voulais, genre. Je voulais qu'on s'amuse, qu'on s'éclate et tout. Il y a personne qui danse, il y a tout le monde qui est sur son téléphone. Il y en a d'autres qui discutent, d'autres qui sont venus pour manger, d'autres qui voulaient venir pour des meufs. Franchement, c'est n'importe quoi, moi je suis pas contente. Il m'a dit non, viens, va leur dire que t'es pas contente. Va leur dire que franchement, voilà ce que tu voulais. Voilà si, voilà ça, voilà si, voilà ça. Je dis non, j'ai pas envie de parler, je préfère rester dans mon coin et tout. Je ne veux pas arriver là-bas, créer des embrouilles et tout. Il me dit non, tu viens pas créer des embrouilles. C'est ton anniversaire, tu leur dis, tu veux que ton anniversaire soit comme ça, que t'avais tout prévu, t'aurais aimé que ça se passe. Du coup, je descends, je leur dis, je voulais vous dire quelque chose. Vraiment, je suis pas heureuse, je suis pas contente. Franchement, l'anniversaire c'est de la merde. J'aurais préféré que ce soit comme ça. C'est pas normal. Vous arrivez, vous vous amusez pas, on met de la musique, vous dansez pas. Pendant que j'ai crié, on m'a coupé la parole. C'est pas votre copine Lucie qui ouvre sa bouche. Toi aussi, tu nous énerves. Seigneur Jésus. J'ai seulement regardé ma cousine que si elle, je la ramasse, je la fracasse. Si elle va dire quoi?
Moi, j'étais là, je me disais que vraiment, je me contrôle trop. Vraiment, arrêtez-moi. J'ai commencé à dire, toi, déjà, je t'ai pas invité. Donc, machin, je commence à sortir. Toi, tu crois que c'est qui? Je t'ai invité. Elle me dit, toi, si tu crois que t'es qui? Machin, machin. On commence à s'engueuler. Elle me sort des mots. Je sors des mots. C'est parti en cacahuète très, très rapidement. C'est monté crescendo. Mon ex, ses potes commencent à dire, ta meuf, elle parle trop mal. Patati patata, c'est pas normal. Et lui, là, mouton comme il est, il dit, au lieu de dire que non, regardez comment ça se passe, c'est pas normal, franchement, vous avez vu qu'elle est même montée deux fois, personne n'a remarqué son absence, vous êtes là, vous n'êtes même pas là, comprenez un peu sa frustration, non, mouton, moi je n'aime pas insulter mes ex, mais franchement, lui, pire mouton, pire, bref, c'est pas, il commence à prendre la défense de ses potes. Moi, je commence à pleurer. J'étais vraiment pas bien. J'étais là en mode, mais attends, j'ai dépensé de l'argent. Déjà, mes potes, ils sont pas arrivés. Tes potes, ils sont là. Ils rendent mon anniversaire complètement éclaté. J'aurais préféré rester avec mes 5 potes et faire un truc entre nous 5 que ramener des gens qui viennent encore plomber l'ambiance, en fait. Après, je commence à pleurer. J'étais vraiment pas bien. Mais vraiment, j'étais au bout du rouleau. Genre, vous allez vous dire que c'est qu'un anniversaire, mais le nombre d'argent que j'ai mis dans cette histoire d'anniversaire-là. Il vient en haut. Il me dit, il essaie de me consoler, genre ce double visage là, vraiment une pièce. Vous avez vu comme la pièce là, c'est comme ça qu'elle était pile et face. Ce gars vient, il dit non, mais franchement, tu as mal parlé aux gens. Il fallait venir parler doucement. J'ai dit, j'ai commencé à parler doucement. C'est ta pote Lucie Vert qui a commencé à raconter n'importe quoi, qui a commencé à vouloir me mettre en pression et j'ai pété un câble. C'est vrai que j'aurais pas dû péter un câble, mais franchement. Voilà, elle aurait pas dû me parler comme ça. C'est pas ma pote Hélène, elle aussi elle commence à péter un câble. Hé Lou, t'aurais pas dû parler comme ça. Tu parles pas aux gens comme ça. C'est pas normal de parler aux gens comme ça. J'ai dit, toi-même, ta gueule, tu penses que t'es qui? Vous êtes là, vous êtes assise depuis tout à l'heure. Vous ne participez même pas à ce que mon anniversaire se passe comme j'en ai envie. Enfin, vous ne me rendez même pas heureuse, en fait. Ça sert à quoi et tout? Je commence à m'énerver. Elle dit, ouais, mais on n'est pas obligé de danser. J'ai dit, bah, vous n'êtes pas obligé de venir alors. Il y avait deux clans. Le clan pro Erlo, c'est-à-dire ma cousine Dora, sa pote, mon ex, on va dire que lui, il ne savait pas dans quel clan se mettre. Il y avait le clan des autres. Mes potes avec qui je me suis engueulée sont venus me voir. Non, Erlo, il faut descendre, t'excuser, ce n'est pas bien. Maintenant, il y a des gens qui sont venus de loin, qui sont venus de Paris et tout. J'ai dit, mais justement, vous venez de loin. Oh, essayez de profiter de l'anniversaire, essayez de vous amuser. C'est pas tout le monde est comme ça sur son téléphone. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On met de la musique, on met des trucs, il y a personne. Ouais, mais tout le monde ne danse pas. J'ai dit, laisse-moi. Ces gars-là, c'est pas mes potes, mais on est sur les réseaux sociaux ensemble. Je les follow sur les réseaux, je vois très bien comment ils se comportent. Là, à mon anniversaire, ils sont clairement en train de gâcher mon anniversaire. Je suis désolée. Je suis descendue, on a ramené tout le monde. Il y avait Lucie qui était là-bas, qui est allée dans la voiture. Elle a dit qu'elle ne vient plus, qu'elle préfère rester là-bas parce que moi, je parle trop mal, parce que moi, je fais ceci, que je me prends pour je sais pas quoi. Déjà, mes crêpes sont ouf. Regardez comment je m'énerve encore plus alors que c'est une histoire qui s'est passée il y a 2 ans, genre. Je me suis excusée et j'étais en larmes, en train de leur dire que franchement, je suis dégoûtée et tout. Après, l'épisode qui a mis le qui a décidé de gâter mon anniversaire de A à Z. C'est pas le gâteau arrive. On dit non, mais non, mais on va faire le gâteau. Le gâteau arrive, le gâteau que ma cousine avait fait faire chez Romainville, si je me trompe pas. Je vois qu'une partie du gâteau, c'est-à-dire une partie de mon visage, parce qu'elle avait mis une photo dessus, a été arrachée. Ok. Je dis, c'est pas grave. Je vais quand même souffler sur la bougie. Je vais quand même souffler sur la bougie ou sous la bougie, je sais pas. On me sort, il n'y a pas de bougie. Tu peux souffler sous l'allumette. Genre, on a allumé l'allumette comme ça, on dit que mais tu peux souffler dessus. J'ai dit, mais c'est une blague. J'ai dit à ma cousine, franchement, merci pour le gâteau, mais c'est quoi ça? C'est une blague. Foutez de ma gueule. Et c'est une caméra cachée, les gars. Tu vas souffler sous l'allumette, c'est quoi ça? Respectons-nous. J'ai fait, ok, bon, voilà, merci beaucoup. Je suis montée. Après, les gars ont essayé de me faire descendre, de dire, non, Erlo, on va faire un petit jeu. Viens, on s'amuse un petit peu, on va faire des actions vérité. J'ai là un mot de... Un anniversaire, action vérité. C'est quoi ça? Les jeux, quels jeux? J'ai pas envie, enfin, c'est pas ce que je veux faire. Combien de fois j'ai participé à des anniversaires surprises? Combien de fois je suis quittée de chez moi? J'ai accompagné mon ex-bépanda dans ses anniversaires et j'étais là pour ses potes que je connaissais pas.
Sa pote Lucie là, combien de fois je l'ai maquillée? Elle m'a remboursé mon argent pour le maquillage. Est-ce que je lui ai déjà demandé l'argent pour que je la maquille? C'était pas ma pote, je l'ai maquillée. Combien de fois j'étais là pour les gens? Après, je ne dis pas que si tu es là pour quelqu'un, c'est parce que tu veux que la personne soit aussi là pour toi. Mais en gros, tu peux être là pour quelqu'un et la personne te donne jamais rien en retour. Enfin, c'est quoi ça? Et le pire, c'est que je me suis excusée. Ces personnes ont accepté mes excuses. Le lendemain matin, m'ont bloqué des réseaux sociaux, soit, et m'ont insulté pour la plupart, ont raconté je sais pas quoi sur moi. Bref, j'ai pris sur moi pendant des mois. J'ai dit à mon chef et Panda que franchement, parle à tes potes, c'est bon. Voilà, déjà, c'est pas mes amis, mais dis-leur de mieux me parler, genre de mieux parler de moi. J'en ai marre qu'on me dise X a dit ça sur toi, X a dit ça sur toi, Y a dit ça sur toi. Tout était éclaté, l'ambiance éclatée, les invités éclatés, tout. Ça a été éclaté. Genre vraiment éclaté au mur, tarté, genre ça va rien. Ça fait revivre des trucs. Je vous ai pas forcément tout raconté, mais voilà, en gros, c'est un petit peu comme ça que mon anniversaire s'est passé. Anniversaire 2016, du coup. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, mettez un petit pouce à l'air. Si vous voulez un coco-lait, mettre des bois d'anniversaire, dites-le moi, parce que vraiment, niveau anniversaire, que j'ai fêté ou que j'ai pas fêté, il y a toujours une histoire. Laisse tomber. Donc voilà, j'espère qu'on va se retrouver pour la prochaine vidéo. Bisous à vous et que Dieu vous bénisse.